Hello tout le monde. Bienvenue pour encore une nouvelle session. Monster Hunter 4 Ultimate. Excusez-moi. Alors, on est arrivé aux Inogres Stygiens. On va y rester tout le temps, le 3-4 là. Ici, on avait fait le Graviosonix, le Rathalos Azur, le T-Rex Berserk. Pour l'histoire, c'est cette quête-là qu'on nous demande de faire. Donc, sinon, il y a du Yangaroga. Xenogre et Gravius. Donc nous, on doit se taper lui. Et c'est ce qu'on va faire. Ok. Très bien, mon bon chasseur, le développement de l'arme défensive est presque terminé. Si vous accomplissez cette quête, l'arme devrait être finie à votre retour. J'ai vraiment hâte de vous la montrer. Bonne chance et soyez prudent, vous êtes comme toujours notre lueur d'espoir. Ça, je l'esquive pas. Ouais, c'est ok. Oh, arrête. Thank you.
Allez, on lui fracasse sa tête. J'ai oublié de mettre le chat sur mon téléphone. Allez, ça, impossible esquive. Allez, tout le temps, tout le temps. Wow. J'ai pété la tête, non? Arrête de te barrer comme ça là, putain. Arrête. Franchement, tout est calé, mettre son coup de queue là. C'était sûr. Quoi? D'où il peut me toucher? C'est vraiment top hein, que l'arme elle se réaiguise toute seule, ça c'est vraiment top. Merde. Ok, il se casse.
leur mettre une... Oh mais non, mais t'abuses, là. Je suis dans le coin. Hein. Oh là là. Arrête. Oh putain les éclats. Il est ultra vénère. Oh putain. Oh, 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 oh. Arrête! Ok. Wow, il refait son attaque ultra vénère là.
putain, il est parti trop loin. Arrête, c'est un truc de fou. Ça s'est fait.
Guillaume. Dans l'air. Guillaume. C'est gars là. Tais-moi. Ok. Donc ils ont pu tout renforcer, et sauf que lui arrive avec une mauvaise nouvelle. Puis ou après un verre d'eau et quelques minutes pour souffler, la situation n'est pas si mauvaise. Elle est encore pire. On est dans la crotte de monstre jusqu'au bout. Alors je ne sais pas par où commencer. Calme-toi pour l'amour du feu. Ou ce que tu as découvert à propos du Savages. Je ne suis pas allé jusque-là, chef. Il fallait que je rentre plus vite pour rentrer loin. Ils sont de retour. Ils sont de retour. J'ai vu un Brachydios en furie. Et il m'a vu. Oh, c'était horrible. Quoi, un monstre en furie? Non, ce n'est pas possible. On s'est occupé du Chargal ou Madère. Des monstres en furie, je n'en ai jamais vu. Seule explication plausible, ce serait que quelque chose d'autre que le Chargal ou Madère est derrière tout ça. Attendez, ne tirons pas de conclusion hâtive. Si la furie est arrivée jusque-là, comment l'empêcher de se répandre ailleurs? Elle pourrait même nous atteindre ici. Pour te ressaisir, Kadé, dis-nous tout ce que tu as vu. Oui, chef. Tout va bien se passer, fiston. Je pense que votre priorité doit être de limiter les dégâts que pourraient causer les monstres furieux. Chasseurs, je voudrais que vous chassiez celui que l'on connaît, le Brachydios en furieux. A priori, vous faites partie des rares chasseurs, s'il en est, en mesure de réussir cette mission. Les as de la chasse resteront à Dunderman pour contrer les monstres qui tenteraient d'approcher. Nous érigerons deux murs. Quoi, avant de partir, chasseur, vous feriez bien de passer au lycée. Ils viennent de faire une découverte. Elle devrait s'avérer utile pour que vous en fumez, y compris le Brachydios en furie que vous chassez. Parfait, pendant que vous serez au lycée 1, je créerai la quête du Brachydios. Fantastique, bonne chance, chasseur. Faites attention à vous. Les monstres en furie? Waouh! C'est ce qui me fait le plus peur. Ce ne sont pas les monstres, mais la raison pour laquelle ils sont arrivés. S'il continue d'apparaître, ça signifie qu'on n'a pas été assez rapide pour empêcher la furie de se propager. Chagrin ou Magala avait dû contaminer les monstres qu'il a croisés en se dirigeant vers le Mont Céleste. Le truc, c'est que les monstres victimes de la furie ne sont pas censés survivre longtemps. Pourquoi l'épidémie continue de se propager alors que Chagrin ou Magala n'est plus là pour le répondre? Je dois dire encore autre chose. Enfin, c'est ce que je me dis. J'ai l'impression qu'un sombre secret est enterré quelque part. Et oui, c'est vrai. Sombre secret. Oh bonjour à vous, bienvenue à Wissem, j'ai d'excellents projets pour vous. J'ai fait de grandes avancées dans mes recherches sur la fuite. Nous sommes super heureux de pouvoir enfin mettre des whiff-pierres sur le marché. Les whiff-pierres ont en fait deux effets. Une fois activés, ils donnent une chance à vos armes d'apaiser temporairement les monstres en furie. Les effets de la furie sont alors tous neutralisés. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que les whiff-pierres vous octroient un effet supplémentaire. Vous voulez des exemples très bien. Pour le moment, vous avez le choix entre deux options. Une whiff-pierre qui aide à annuler les dégâts reçus d'un monstre en furie, ou alors à augmenter les dégâts infligés au monstre en furie. Et là, vous allez me dire, mais comment ça marche? Oui, avec 3 points d'interrogation, très facile. Sélectionnez le type de whiff-pierre que vous souhaitez utiliser à partir de whiff-pierre. Et elle sera automatiquement intégrée à votre équipement. Simplement, vous pourrez alors l'utiliser pendant les quêtes, comme n'importe quel autre objet. Le truc, c'est qu'après en avoir utilisé une, vous devez respecter un certain délai de rechargement avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Mieux vaut donc attendre le bon moment pour l'utiliser, si vous voulez mon avis. Je crois que j'ai tout dit, vous avez bien. Ok. Donc, durée 2, recharge 3, effet 1. Que une. Bon, on va mettre forme ça. Ok. Tu vois, le cadet m'a tout dit. C'est justement de la terminer sur mon grand arme. Hein? Sur les portes de surgissement,
Je suis tellement stressé que j'arrive pas à parler avec Chouette. On s'occupe du chagrin de mode là. Pourquoi la fumée est à l'intérieur? Ces choses apparaissent partout sans aucune raison. Comme si on n'avait pas déjà des tas de choses à faire. Bon, je perds mon sang-froid, mais je peux quand même lui donner le 4. Aïe aïe aïe. 12 300. Ça veut dire que ça va pas rigoler. Rachitus en furie, oh là là là. Ça, ça va piquer. Tu vas y voir un truc, hein. Thank you.
Si je fais ça. Putain, expert, je suis à 8. Ok. Oh, c'est galère. En affinité, je suis à 20%, ce qui est vraiment normal, quoi. 20% de chance de faire un crit check, c'est cool. Un coup sur 5. Un coup sur 5, c'est un crit check. C'est mieux qu'un coup sur 10. Ça c'est pour quand il est en furie, non seulement. C'est seulement quand il est en furie, apparemment.
c'est la bof. Un petit compagnon en plus. Petite féline. C'est pas ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Ça va? Dedans pour enlever l'explosion. C'est le truc qui roule. Genre comment je suis déjà en... Ah non, c'est le requin qui suit. Je peux pas me soigner tant qu'il n'y a pas les films. Ah ouais, tu vois, c'est en fait... Waouh.
Bah, du chemin. Pourquoi il me fait ça en ce moment la manette? Allez, bouge! Bouge! Putain! Ah ouais, c'était sûr! Ah, stop! Arrête de déconner! Il te finit ce jeu, non? Expiré. Oh, arrête. Ouais, tu veux, je fais quoi là? Okay.
ce bordel. Mais non. Arrête quand même toi. Oh là. Ok, le bouffer. Bon, je te le dis, c'est dommage pour moi. Deuxième, super. Oh, j'ai pété son truc. Oh, le taille. Ça que pour être poussé. Par contre tu vas m'emmerder parce que je veux dépousser la queue.
crever. Putain, il est parti. Parti là, non? Je crois que c'est mieux. Regardez ça, aventurier. Tous les symptômes de la furie semblent avoir disparu sur ce monstre. Incroyable, pas vrai? On appelle ça stopper la furie. Vous voyez pourquoi une mini-fumière est si utile? Si vous en utilisez une, vous infligez suffisamment de dégâts à un monstre, vous pouvez stopper temporairement la furie qui l'a faite. Mais c'est l'occasion de jamais vous faire une d'agir avant que la furie. Il y a les yeux rouges et l'aura un peu bleu noir mais autour de lui c'est qu'ils sont fermés. Et donc seul, je crois. Moustache, bienvenue Moustache. Je vous attendais justement. Le maître du lancier est arrivé il y a peu, je vais vous l'aider. Je suis regretté de vous informer qu'en enquêtant sur le Savages, j'ai croisé la route d'une autre créature en mutant. Il s'agissait en fait d'un Devil Joe en furie. Après avoir cru qu'il était peut-être à l'origine de l'épidémie de furie, mais je pense finalement me tromper. Au fond du bois éternel, je ressens une présence encore plus terrible. J'ai ainsi décidé de pousser mon enquête jusqu'aux confins du bois. J'ai également signé cette découverte à la boule qui demandera sûrement à ce que ce Devil Joe soit réduit. Dans l'attente de la prochaine rencontre, je vous salue. Vous avez raison de provoquer. Mon camarade m'a indiqué une quête consistant à chasser Devil Joe en furie. Putain, ma manette elle a. Et c'est chou. Je pense que c'est le câble. Et c'est bizarre parce que la manette elle est allumée. Je sais pas ce qui se passe. Déjà disponible, j'ose à peine penser qu'une autre créature puisse être encore plus terrifiante. Je préfère pour le moment pas faire part de mes théories. Chasseur, il n'est pas aisé d'assurer la sécurité d'une ville comme celle-ci. Il y a toujours des choses inattendues et même le meilleur plan réservé sur lui. Je m'efforce néanmoins d'agir le mieux possible dans toutes circonstances. J'essaie de garder le cap malgré les tempêtes et de limiter mes pertes au maximum. Et croyez-moi, je ne regrette pas d'avoir choisi de vous donner la sécurité de mes soldats. J'espère que vous n'avez pas terme. Vous n'aurez aucun regret, c'est pour vous que tous les espoirs sont placés, je sais. Ok. Et ici. Ah, maître chasseur, voilà. J'aimerais justement entretenir avec vous. Tout un instant, nous faisons au lycée et nous cherchons un nouvel objet de la science. Nous retrouvons tout.
toutefois de 5 alors que nous avons presque à complète. Nous avons besoin d'un composant très particulier, de très dangereux pour se assurer en plein dessus. Assis en plein dessus. C'est vraiment très embêtant. Bien sûr, je ne peux moi-même rien faire contre eux, je me retrouverai vite réduit en chapitre. Vous pourrez récupérer ces composants à la place, bien sûr, vous bénéficierez directement du fruit de ma recherche. Quel que j'ai soumis à Gilda, recherche risquée de prêter. Ok. Sur des fruits qui attendent. Voilà, je vous dis à plus tard, à très bientôt.